chef. Pierre Rocofo, le mignon. Chocolaté, c'est mon chocolat. Oh, non, a, la matin 5G. Oui. Oh, la maman 5G. La matin. Amel Flora. Ah non, c'est ma mère, elle me connaît. Oui, est-ce que... Salut, on n'a pas dit qu'elle te connaît. Maman Guillaume. Tout le monde me connaît. Oui. Bienvenue, maman. Et je connais aussi tout le monde. Voilà, maman Guillaume. Oui. Non, non, c'est pas grave. Bienvenue, maman. Oui, ok. Maman s'installe. C'est la première fois qu'elle vient sur Bantou. Hein, c'est pas facile. Hein. Maman est fatiguée. Tu connais le travail. La maman travaille beaucoup. Maintenant, elle a dansé la chose. Je vais l'aider. Hein, je vais arrêter le micro. Je cherche le gombo. C'est pas évident. On va regarder mon portrait de maman Guillaume. On va lui poser quelques questions. Décembre annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. De son vrai nom, Louise Koubinan, la diva de la musique camerounaise basée à Douala est très connue pour son approche multiculturelle. Elle a bâti sa réputation à travers sa kyrielle de compétitions musicales et les spectacles, voire des soirées festives à travers l'Afrique, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Maman Guéa, comme l'appelle affectueusement ses fans, compte à son actif plusieurs albums tels que Chauffeur moteur, Soleil de décembre, Désillusion, Bossingo, Samuel Eto, Mamadou et Bonga Londo, paix à son âme, qui ont fait d'elle la star qu'elle est aujourd'hui. Nominée plusieurs fois au Canal d'Or, elle a été sacrée deux fois meilleure artiste Makossa et récompensée dans plusieurs cérémonies sur l'ensemble du territoire national et même ailleurs. Coiffeuse aux premières heures de sa vie professionnelle, puis restauratrice, Louise, dit Maman Guéa, commence sa carrière musicale aux côtés de son petit frère, Ndende Ferdinand, alias Papillon, avec qui elle sort son tout premier album en 1992, baptisé Fou Malade. Après avoir été hissée au sommet de la musique africaine et après avoir reçu tous les honneurs qu'elle mérite, elle décide de célébrer ses 25 ans de carrière musicale. Nous sommes en 2016, c'est dans un grand cabaret de la ville de Yaoundé. Toujours active sur la scène musicale malgré les années, Guéa La Route, comme un rayon de soleil, illumine votre dimanche à travers l'émission Bantou. Bienvenue, maman. Maman Guéa, la Mater 5G. Mais aujourd'hui au Cameroun, on parle de 2G, 3G, 4G. Mais la maman est montée d'un cran. Hein. C'est 5 maintenant, bientôt c'est 6G. C'est maman Guéa, bienvenue 6G. Chez toi. Merci. La première question, Maman Guéa, depuis un temps, vous êtes malade, très malade même. Mais vous ne faites pas appel à Samuel Eto'o. Pourquoi?
Merci. Parce que c'est une très bonne question. C'est tout ce que tout le monde me demande. En tout cas, je veux dire que tout le monde me pose cette question. Mm-hmm. Bon, je peux ne pas... Est-ce que moi, je peux ne pas demander à Samuel de l'Inde pour la maladie? Mm-hmm. J'ai fait. Mm-hmm. Bon, je sais quoi faire. Je sais quoi te dire. J'attends toujours. Mm-hmm. J'attends puisqu'il avait promis de m'envoyer à l'hôpital. Mm-hmm. Il m'avait promis 10 millions de francs. Bon, j'attends toujours. Parce que normalement, je dois me faire opérer. Mm-hmm. Ok. Donc, souvent, Eto est en train de nous regarder. Hein, s'il vous a promis quelque chose, il va le réaliser. Surtout que c'est quelqu'un au grand cœur. Il a été toujours avec toi, Mangué. Bien sûr. C'est ton fils. C'est mon fils. Ouais. Même comme les gens disent qu'il m'avait donné des milliards, il n'y a pas de problème. C'est toujours mon fils. Qui me donne, c'est bon. Il me donne pas. Non, il faut accepter, hein, maman. Ce sont les bénédictions. Ah oui. Non, elle a bien dit. Ainsi, Eto lui donne, c'est bon. S'il ne donne pas, c'est toujours bon. Uh-huh. Pas pour autant qu'il va se mettre. Je sais qu'il va le faire. Il va le faire. D'accord. Okay. Alors, maman Gaya, vous vous souvenez, je vous ai reçu dans un cabaret quelque part. Et vous nous annonciez effectivement que vous étiez mariée à votre retour des États-Unis. Qu'en est-il? Vous confirmez encore cela aujourd'hui sur le plateau de Bantou devant les millions de téléspectateurs qui nous regardent? La preuve. Moi, je ne crois pas que quelqu'un peut mettre l'alliance sans être marié. Ça, c'est la Est-ce qu'on peut... Oui. Maman Gaya fait la main comme ça. Il faut qu'on... Oui. Les Camerounais doivent voir. C'est ça. Ouais. Oui, le micro, Maman Gaya. Oui, c'est ça. Oui. Et je dis à Maman tout Gaya le monde est marié. Entendre. Oui, oui je me suis marié avec un noir américain. Mm-hmm. Oui. Et c'est un jeune. C'est le jeune qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Non, là, parce qu'on a dit c'est un jeune. Non, ce jeune-là... Tu le connais très bien, c'est mon danseur. Oui. Bon, il cherchait son buzz. Et avant que je ne parte, c'est lui qui avait créé le compte Facebook. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sur son mur comme si c'est moi qui parlais. Mmh. Donc, sur mon mur, que lui, il avait créé pour moi. Que lui, il va se marier de moi bientôt. Bon, j'ai dit aux gens, j'ai essayé de démentir. J'ai dit, c'est mon fils que j'ai élevé. On était même avec un enfant. Voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai, l'amour n'a pas d'âge, mais c'est mon fils que j'ai élevé. Tout le monde, dans tous mes clips, vous allez le voir. Mm-hmm. Il n'en est rien. Il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien. Il voulait juste un peu de buzz. Rien, il voulait juste un peu de buzz. Et je vais vous montrer les excuses qu'il m'avait présentées au téléphone. Mmh. Maman, laisse, je cherche mon buzz. Tu es tout pour moi. Si tu me laisses maintenant, je vais faire. C'est toi qui m'as amené dans la musique. Et cette chanson qu'il interprète, c'est ma chanson. Mmh. Le rythme congolais là, qui chante ça. Mmh. La rumba. La rumba. Oui, c'est une chanson composée par Maman Gaya. C'est ma chanson. Donc, nous sommes toujours ensemble. D'accord. Mmh. Maman Gaya. Bon arrivée au Bantou. Merci. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je sais. Parce que tu es. Oh non. Sommet de musique. Merci mon frère. Il y a et mon fils. 10 ans, tu as chanté Solidarité. Une chanson qui a touché ce pays. Aujourd'hui, la solidarité là, c'est menacé. Qu'est-ce que tu t'en penses? À ce qui concerne la chanson Unité, je continue toujours à exhorter les gens de laisser les problèmes, de ne pas diviser notre Cameroun, parce que le Cameroun est un. Et d'arrêter de faire la violence, comme Boko Haram est venu nous tuer. Qu'eux-mêmes aussi arrêtent là-bas. Ils n'ont pas... besoin de manger, ils n'ont pas besoin de vivre. Donc, je demande à tous les Camerounais de rester calmes parce que la guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. Et si on continue à faire la guerre, l'avenir de nos enfants, ça va se passer comment? Et actuellement, même que je suis là, j'ai encore une autre chanson patriotique. Oui, c'est déjà. Tu as déjà en studio ou c'est déjà après cette chanson? Je suis en studio, mais il va falloir. C'est ça, une collaboration? Ou tu vas chanter seul?
Je vais chanter seul. Ok. Je chante toujours seul. Ok. S'il y a un membre du gouvernement qui peut me donner un coup de main, c'est le single seulement, ça coûte pas cher. Mm. Il m'envoie en studio, il fait la promo. Puisqu'il y a temps, bientôt il y aura les élections. Il faut que je chante une chanson pour calmer les esprits. Mm-hmm. C'est ça. Ok, maman, on va donner ton numéro de téléphone hein, pour que les mécènes, les producteurs potentiels puissent vous appeler pour aider à la production de ce single-là. C'est un chant patriotique. Les vœux pour le Cameroun, maman Guia, tes vœux. C'est la paix, la paix, la paix et la paix. Rapprochez le micro. Il n'y a que la paix. Mm-hmm. Il y a encore quoi? C'est seulement la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, le désordre ne nous apporte rien. Mm. Donc il faut la paix. D'accord. Mm. Alors comment se comporte l'album sur le marché, maman Guéa? Pour le moment, l'album n'a pas encore connu la promo parce que c'est cet album que j'ai donné au ministère pour qu'ils me sponsorisent aussi. Comme ils ont sponsorisé les autres, ils me sponsorisent. Donc j'attends. Maman Guéa attend toujours. J'attends toujours. Ok, le numéro de Maman Guéa au fichier, hein, au bas de l'écran. Maman Guéa, la maman 5G, la mère Android et tout ça. C'est la Camerounaise. Malheureusement, on ne peut pas aller à Ekuna pour la situation que vous connaissez très bien, Maman Guéa. Mais bon, elle prie pour tout le Cameroun. C'est pour ça qu'elle est en train de vouloir entrer en studio pour faire ce son patriotique. Maman Guéa, on va se séparer. Les spectacles, il y a des spectacles en vue. Approchez le micro. Pour le moment, non. Ouais. Moi, je ne suis pas une menteuse. Ouais. Pour le moment, non. Donc, vous êtes ouverte. Mais il y a quand même les organisateurs qui m'appellent pour me dire tu vas chanter tel mois en décembre, en novembre, mais je n'ai pas encore signé. Moi, pas encore signé. Pas ok. Thank you so very much, Maman Guéa, for coming to Vantou. Thank you. It's a pleasure having you on the program. Let's watch the video of Maman Guéa. When we come back, we shall be talking about, I think, another slot called Je suis Bantu. But before, let's watch the video from Mangia. La paix, le travail, la patrie. Pour la Christ, on donne le foie. Dika que dit bon, bah, on va tout.
avec New Fashion. Là, c'était Maman Guilla qui est aussi ambassadeur de New Fashion parce qu'on voit les photos des artistes à New Fashion. Bon après-midi, monsieur le présentateur. C'est quoi le truc? C'est troublé? Quelque chose te trouble? Non. C'est bon le micro. Voilà. Voilà. New Fashion. Bon après-midi. Merci. Clé tous, merci beaucoup. Merci et bonsoir à vous sur le plateau. Ça, c'est Moma Hélicoptère. Le maire de Douala Zéro. Et ça, c'est Amel Flora. Amel Flora, c'est un plaisir de te revoir ce dimanche. Ouais, moi ça, également. C'est une ambassadrice de New Fashion. D'accord. Alors, quelle est l'actualité de New Fashion, de la structure New Fashion en ce moment? Au-delà de proposer des fournitures scolaires à toute la population, tous les parents d'élèves qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, New Fashion ouvre ses portes à l'Institut de formation supérieure qui débute pour l'année académique 2018-2019 dès lundi prochain. Donc New Fashion offre des formations professionnelles en termes de coiffure, esthétique, massage, en tout cas tout ce qui concerne la beauté, à tout cela ayant un BEPC, un probatoire ou un bac, qui aimerait apprendre le métier de la beauté. New Fashion vous reçoit dans ses locaux à partir de demain pour vous enregistrer, pour vous inscrire, pour bénéficier d'une formation de qualité et qui fera de vous demain ou après-demain un professionnel de la coiffure et de l'esthétique. Alors, les inscriptions, Clétus, il faut le préciser, les inscriptions chez New Fashion sont gratuites. Donc, tous ceux-là qui veulent se former chez New Fashion, ils viennent s'inscrire gratuitement et les formations sont ouvertes à toutes les bourses. Hein. Donc, si vous êtes un prolétaire ou alors quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, n'ayez pas peur, venez chez nous. Alors, on va rappeler rapidement, c'est vrai qu'on sait déjà où c'est situé, mais on rappelle rapidement la situation géographique de New Fashion. New Fashion est situé entre Ndokot Citradex et Zachman Ndokbon. Donc, quand vous êtes du côté de Sokaver Ndokbon, vous regardez juste en face, vous allez voir l'Institut de beauté New Fashion. Mm-hmm. Ok, on a vu Miss Nounou, hein, très belle cet après-midi à la coiffure. Grâce à New Fashion. De chez vous, de New Fashion. Gaël également. Mmh. Toi, la dame. La dame, oui. On peut voir les Rastas. Oui, les Rastas. C'est, comment magnifique. On appelle ça? Bon, peut-être que M. Samon. On appelle ça les Matoba. On appelle ça les Rastas teintés. Les Rastas teintés. Oui. Voilà. Et on s'appelle comment, madame? On s'appelle Stéphanie. Stéphanie. Qui nous a maquillé. Oh là là, Stéphie. Qui m'a maquillée.
Stéphanie qui m'a maquillée. Ah, elle a eu peur. Qu'elle a dit quoi? Au moment, j'ai rien fait. Moi, je suis une fille timide. Pourquoi elle dit des choses comme ça? Ok, on se dit à dimanche prochain. Il n'y a pas de souci. Tu es bantou, n'est-ce pas? Un pur bantou. Nous aussi. Je suis bantou, filmé par Youyou cette semaine. Et je veux faire un gros coucou comme ça à ma grande soeur chérie de Yaoundé, Tata Valérie, à Mireille, ma petite soeur, à Tani Thierry depuis le Congo. Et bisous, bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Ich bin der Eridas und ich komme aus Deutschland. Ich wohne also in Kaiserslautern. Ich bin hier wegen einer Hochzeit und ich wollte also meine Eltern und Schwester in Kamerun, Yaoundé, Tata Valérie begrüßen. Tani Thierry, Mireille. Gott segne ich euch. Tschüss, bisous, bye bye. C'est jeune. Après, je suis quittée le Cameroun il y a longtemps. Voilà mon époux. Voilà. Donc, moi, je dis bonjour à. Déjà, je félicite les maris, c'est important. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je suis très heureuse pour eux. Je saluerai la femme de mon papa, ma petite maman, ma belle maman, Madame Bessie Nicolas Bonamoussadi. Je salue toute la communauté de Pendja, les gens de Pendja, les Binéli, les Atolo. Je salue aussi toute la communauté de Bonapriso, mon fief, the place of the crime. Et puis simplement, voilà, je suis originaire de Yaoundé, hein, les gens d'Arala, les gens de. Salut, je suis Fadoué. Je suis mon massage, je suis bantou, je suis mon massage au centre de tes accords à l'aéroport. Je regarde bantou sur un terrain. Good afternoon to everybody. I am bantou. I want to extend my greetings to my mom at Work Comfort in Mayoka. And I'm called Anang Jires. I would like to extend my greetings again to my senior brother in Mayoka, Anang Nestofam, to my friend Sonan Dike, Saga Lionel, and everybody in Mayoka. I wish them happy safety in Mayoka and everything. I would like to invite you people to be watching Bantu in LTL. Hello, Renzi, no Bantu. Naore, Nazo, Sanzalo, Nsra Yvonne Gandhi. So in Bayore, I'm Bantu. Nyare, watch to LTL, I'm Bantu. Zonke. I'm Bantu, my name is Nandanti Patience. I want Salo, my mommy, where they village. So, Magembong, then my kid sister, Pamela, Yvonne, and Makule. My elder brother, Dennis, and all to my friends. I want to invite Unamuna the world Bantu. Bonsoir, moi c'est Rebecca. Je réside dans la ville de Douala, tout précisément au quartier du Pont Aéroport. Je suis une fille Bantu, donc je profite de l'occasion pour saluer mes sœurs Bantu. À Douala, je profite de l'occasion aussi pour saluer ma famille, mes parents, bon, tous ceux qui me sont chers aussi. J'invite tout le monde à regarder l'émission Bantu à LTM. Salut, je m'appelle Sandrine Biloa, je suis Bantu. Je salue tous les Bantu du monde entier, particulièrement à ceux qui me reconnaissent. Je vous invite à suivre l'émission Bantu à LTM chaque dimanche à partir de 13h. Salut, moi c'est Bessa Sophie, je suis Bantu. Je salue par ailleurs tous les Bantu et tous ceux qui vont me reconnaître. Je vous invite comme ça à suivre notre émission préférée, Bantu, sur la chaîne du Roi Télévision du Monde, chaque dimanche à partir de 13h. Ibrahim Joya, je suis Bantu. Je salue M. Kumpana Idissou, Yahin Joya, et Abdou Rahman, et Monde Arabe. Et je vous invite à suivre l'émission Bantu. LTM. Assalamu alaikum jama. Assalamu alaikum jama. Nana famille. Nakiyam jama. Bali bantou édition LTM. Nakiyam jama jama ko gani. Voilà les premières images. La femme, le mec et la femme qui sont parlés allemand vient de l'Allemagne. C'est fait par Makrita et le reste. C'est la femme de Monsieur le maire, Youyou Aswom. You're back on set, right? I'm back on set. You're back on set. I want us to talk about celebrity.
Alors, on va parler de Stanley Enyo qui a rencontré Janet Jackson. Il y a quelqu'un qui a dit, mais attends, Stanley, ce mec, c'est une vraie star. Hein? Les autres bavardent, lui, réalisent. Voici Stanley Enyo avec Janet Jackson. Elle a organisé une fête chez elle et elle a invité des artistes. Et Stanley faisait partie des invités de Janet Jackson, la petite sœur de Michael Jackson. Parlons maintenant de Kanye West. Le gars, il surprend beaucoup de gens. Son accoutrement extraordinaire. On ne sait pas ce qu'il veut faire, son projet. Il nous a dit qu'en 2020, il aimerait aussi être candidat aux élections présidentielles aux États-Unis et être président. Le mari de Kim Kardashian en train de s'habiller bizarrement. Quelqu'un avait dit qu'il faut appeler les gens là qui conseillent les gens qui ont les problèmes, les difficultés. Parce que pour une star comme Kanye West, beaucoup de gens se posent la question. Son projet, c'est quoi? Il veut quoi? Il veut montrer quoi? Il était en train de porter une voiture ou quoi? On l'a vu aller à un mariage avec les babouches, avec sa femme. Oh, donc, Kanye West, it might be something is really wrong with Kanye West. On va voir le livre qui fait paniquer Donald J. Trump. Le président Trump, non, ce n'est pas ce livre. Ce livre, Excellence en sciences, oui, on va voir cette image-là où on nous dit que le centre climatique des Chang se trouve au niveau du sud-ouest. Incroyable. C'est toujours ça, hein, les livres qui sont dans nos manuels scolaires. Une autre image où on voit là-bas, Ministry of Secondary Enseignement. Ministry of Secondary Enseignement. Terrible, terrible. Apparemment, on va retirer ce livre, selon les informations qu'on a eues ici. On va retirer ce livre. On va voir le livre Fear, écrit par Bob Woodward. Bob Woodward, c'est celui-là qui est à l'origine de Watergate. Il a fait destituer le président Nixon. On voit à la une le président Donald Trump, oui, fier. Bob Woodward, c'est un journaliste très respecté aux États-Unis. Et il y a eu un appel, Donald Trump l'a appelé pour dire, mais attends, tu ne m'as pas interviewé. Il a dit, mais attends, j'ai appelé ton bureau, on ne voulait pas parler, les gens ne voulaient pas parler. Il a dit, mais attends, il fallait me poser les questions. Il a peur parce que ce monsieur a fait tomber le président Nixon, Bob Woodward. Et aujourd'hui, il s'en prend à Donald J. Trump, on dit, il se comporte comme un enfant de 12 ans, il est colérique. Et Donald Trump a dit, personne ne pourrait le battre en 2020. Il va gagner les élections. Et beaucoup d'Américains pensent que c'est parce qu'il n'est pas dans l'establishment. Il n'a jamais été maire, jamais été député, sénateur, ni gouverneur ou sénateur. C'est pour ça que ça fâche. Ça perturbe les autres personnes aux États-Unis. Et Woodward, ce n'est pas la première fois. Il avait aussi écrit contre Barack Hussein Obama. Il a écrit contre George Bush. Il était vraiment pratiquement l'ennemi de George Walker Bush. Et ça fait parler, hein, ce livre-là. Fier aux États-Unis. Elle nous a quitté en 2012. C'est Véronique Facture. Non, Véronique Ebogo alias Véronique Facture. Ça, c'est plutôt princesse. Véronique Facture nous a quitté en 2012. Elle était un peu malade, on parle d'infection intestinale. C'est un artiste qui aurait déclaré qu'elle nous avait quitté ce jour-là, c'était un vendredi, à l'organisation militaire de Yaoundé. Et son dernier son, c'était ambassadeur Véronique Facture. Et on pense à elle aujourd'hui, elle est morte le 10 septembre, donc c'est demain. Elle est morte le 10 septembre, c'était un vendredi, 2012. Véronique Ebogo qui a chanté, hein, avec le groupe des Zombies du côté de Yaoundé, et sa carrière musicale professionnelle a débuté en 1997. Est-ce qu'on peut regarder l'extrait de la chanson Ambassadeur de Véronique Facture? Voilà, Yamduma. Yes, the result of the quiz. We'll not be calling anybody, but we just give them the result and then call them off cameras. Okay, the result for the question, what I'm going to say rapidly. The question was, of which nationality was Kofi Annan? Of which nationality was the late Kofi Annan? So the correct answer for this question was simply the Ghanaian nationality. La bonne réponse à cette question est tout simplement la nationalité ghanéenne.
Voilà. Bravo à tous ceux qui ont envoyé les bonnes réponses. Et le gagnant sera appelé juste après l'émission. Alors, pour dimanche prochain, the question for next Sunday is, which currency is used in China? Three proposals for you. LTM1 for the yuan, LTM2 for the yen, and LTM3 for the rupee. Mm-hmm. Quelle monnaie est utilisée en Chine? LTM1 pour le yuan, LTM2 pour le yen, LTM3 pour le rupee. You send us the correct answer through the short code 8198 or through the number 699-42-62-33. Les numéros sont 81-98 ou encore le 699-42-62-37. Mm-hmm. Bon plus à tous. Thank you so very much. Yam Duma will take the appointment for next week but all through the week they can continue to play. Exactly. Send the correct answers to the numbers you just give them. Exactly. And I remind our televiewers that they can come to help this lady who is sick. Her name is Brenda Njiwaji in Bamenda. It's an SOS. Please corner her, help her. She is really in need of your help. She will be very grateful if you help her undergo her operation. I'll be thankful too to all those who've helped us technically to make this program real today. There was Mr. Eyango, Romeo, Landry Siwe, Kenfak, Jean Martin, we had General Moko, Yuyu, we had also Walters Angandum Bao, we had on the program today Miss Nono, Gaël, Finju, and you, Yam Duma. On va se lever pour dire au revoir. C'est pas avec la chanson de Nabila. Elle dit ça va aller. On est d'accord. Ça ira. Bye bye. We don't go. Au revoir. Let's go.